Ote bandeko balandi ya émission entretien na YouTube Peter Tiani RDC télévision na le vrai journal le loto zali koyamba prophète Benjamin Kawanga oyo balamingi aya kaming na ba message prophétique na ye ba révélation na ye par rapport au tel imboka na biso le lo a une message ezaka kate oyo bolobela ka liboso pour découvrir message ya sika. Prophète Benjamin Kawanga, bonjour. Bonjour de Konangai Philippe, bonjour na Bayi Kongomani, nyonso o bazolanda biso na émission na yo entretien. Lelo to yebi to yambio, nous sommes sûrs que oui na message yasika. Message yango, isa prophétie entre guillemets économique. Oui, en fait, ndenge bao ba yebinga te peut-être ba kolanda pour la première fois ba yebi que prophète Benjamin Kawanga azali incarnation ya prophète Simon Kimbangu et nazali moko ya ba mouvement citoyen dont le président du mouvement citoyen Tobengi Debout Congolais Génération Consciente et je suis aussi l'initiateur ya un mouvement de libération au Tobengi l'Union des Congolais pour la libération totale. Et c'est dans le cadre de la libération totale où ils ont une mission et Kimbangu à Bandaki, où il faut tout ce qui s'est yango. Mais dans les colobés congolais, sur des grandes révélations qui consistent à ce que les Congolais sont pas na biso, origine, il y a souffrance na biso. Pambate Kimbangu à l'obaki qui, quand le quatrième viendra, le peuple connaîtra leurs origines. Mais ce qu'avant toyer baba origine nabiso faut toyer bape ba origine ya souffrance nabiso. Et souffrance au tozo subir le lot, ils allaient na ba maître bazar na ba dimension ibélé, mais tozali na un homme qui réincarne cette souffrance de manière effective. C'est cet homme de la landa qui na mission nabino awa bolobela qui est, mais ça m'a vraiment beaucoup plus révolté de voir qu'il y a encore des Congolais naïfs où il y a des gens qui ont été évités, peut-être par l'envoûtement, par l'aveuglement, mais le col en Azam, où il y a des gens grâce à Koyeba Makambo, où il y a des gens qui ont été. Et ce que je connais, il faut que je mette ça dans le peuple des peuples congolais et avec des solutions concrètes. Oyo Yebi, ce que vous connaissez, vous voulez mettre ça à la place publique. Exactement, parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Et la parole dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est quoi votre message? Le message et la vérité, c'est que j'ai suivi ici l'autre fois, quand vous parlez avec un monsieur, sur le dossier de Kabila, que vous avez bien dit, un criminel se déplaça na port ya Matadi, parce que Bakanga ki ba port, mais lui-même s'est rendu na port ya Matadi. Comme un criminel qui sera dans les lieux de crime. Mais malheureusement, un monsieur de fanatique, peut-être aveuglé, envoûté, il voulait défendre en disant que Kabila, c'est lui le bâtisseur du pays. Moi, je vous dis non, en voici la vérité. Kabila n'est pas le bâtisseur, encore même moins criminel. Non, Kabila, c'est un génocidaire économique des Congolais. Comment ça? Mais évidemment, je répète, ça veut dire le grand message que les Congolais baillé baki. Nous sommes, je suis venu vous parler ici, les génocides économiques de Kabila au Congo. Oui, il y a un mot qui a mis ça, le lot, ce que ça, c'est plus par rapport à vos utilisations des mots. Génocide, concertation, dialogue, papa. Aujourd'hui, vous parlez de génocide économique. Terme, Wana, je pense que vous êtes peut-être la première personne à l'utiliser. Mais évidemment, c'est cette grâce spéciale qui m'a été donnée. Est-ce que vous pouvez décortiquer comment Kabila, un Congolais qui fait son déplacement au port de Matadi, en quoi ça vous dérange? Et Kabila, à quoi ça me dérangerait? C'est parce qu'il est génocidaire économique des Congolais. Comment? Et comment? Quand on parle de génocide de Batebele, il y a un génocide par rapport à Baboma, Batou, Baboma, Nengele, Tozawa, plus de 10 millions de Congolais qu'on a tués. Et beaucoup de Congolais en parlent, je félicite les autres, pour qu'il y ait la reconnaissance des génocides. Parce que Baboumi bat. Mais ce que les Congolais, la plupart, ont oublié, c'est qu'il y a les milliers de gens qui sont tués au Congo à cause de la situation économique chaotique. Mais cette situation
économique chaotique pendant plus ou moins les 20 ans ici, est dirigée par un homme qui l'a intériorisé ainsi, c'est le monsieur qu'on appelle Joseph Kabila. Ce monsieur Laura de Joseph Kabila, aujourd'hui, les gens doivent écouter des grandes révélations. Joseph Kabila a mis à genoux, ou par terre, où il s'est propriété, où il s'est privé, il s'est approprié de presque tout, je dirais même toutes les sociétés minières du Congo. Je dis bien toutes les sociétés minières du Congo. Et en utilisant une malhonnêteté terrible, un système terroriste terrible, qu'est-ce qu'il fait? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis né du Maniema à Kindu. J'ai grandi dans la ville de Kalima. Et à Kalima, c'est le siège d'une grande société minière qu'on appelle Someki. Qu'on appelait Someki. Aujourd'hui, on appelle ça Simak. Mais quand vous allez au Maniema à Kindu, précisément à Kalima, vous trouverez que cette grande société minière, qui était la société des grands Kivu, la société minière qui est à Kindu et à Kalima, reste que administrative. Ça veut dire que Bato Basala kana société wana, Batikalika kana niveau administratif. Mais les chantiers, les carrières qui font que cette société existait sont pris en otage par Kabila. Et donc, ce sont les gens de Kabila qui exploitent les carrières, ce qu'on appelle là-bas camps, les camps d'exploitation des matières premières sont privatisés par un monsieur Kabila. Et ce monsieur met ces gens, ces gens-là exploitent pour son compte et ses biens privés. Maintenant, regardez le terrorisme. Tous les travailleurs qui travaillaient dans ces sociétés-là, donc, mon père, même fille, est un travailleur dans cette société. Tous les travailleurs, ils restent avec les bureaux administratifs dans la ville. Ils n'ont pas les salaires. Ils n'ont quoi que ce soit à produire ni reste. Et donc, et leurs familles sont tuées. Ils meurent chaque jour. Pourquoi? Parce que les carrières d'exploitation, de production sont prises en otage par un monsieur qui s'appelle Kabila. Et ceci, dans toutes les sociétés minières. Si vous allez à la Miba, c'est la même chose. On laisse le vide aux sociétés, mais on a pris des carrières minières. On a privatisé en donnant des sociétés autres. Que ces sociétés qui dépendent de lui. Et donc, tous ces gens-là qui meurent chaque jour, ils meurent par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est parce qu'il y a un monsieur qui a pris leur richesse, qui a pris leur travail, qui les a privés de leur existence sociale, économique. Et donc, ce monsieur, c'est un terroriste génocidaire économique. Et je peux vous les citer dans toutes les sociétés minières. En dehors, vous allez dans la... quand vous voulez aller, par exemple, à Matadi, en dehors des ports que vous avez cités, les ports et les autres. Mais pour aller, mais n'est-ce pas qu'ici, à Kinshasa, jusqu'à Matadi, il y avait les trains. Mais pourquoi on a tué les trains? Il n'y a pas la navigation des trains. Pourquoi? C'est parce que les mêmes Kabila et ses systèmes, ils ont mis les bus. Ils ont mis les gros camions qui deviaient, au lieu d'amener les marchandises dans les trains, là, il y a les travailleurs de l'ONATRA qui vont être payés, il y a d'autres qui vont bénéficier. Sauf que Outa Matadi jusqu'à Kinshasa, il y a les mamans qui vendent même leurs histoires en cours de route avec les trains. Mais on a privé tous ces gens-là parce que Kabila et ces gens, ils ont mis les gros bus qui vont exploiter, qui prennent les marchandises, amenées jusqu'à Kinshasa, qui font même les accidents beaucoup plus. Là, on tue encore les gens. Mais on a privé tous ces gens dans leur existence économique. Je pars au Katanga, en dehors des carrières minières qu'on a privatisées de la même façon. Donc, toutes les sociétés minières. Vous savez pourquoi on a eu arrangé la route de Kasumbalesa? Lorsqu'on a, arrangé que la route de Kasumbalesa, la philosophie génocidaire de Kabila et sa bande, c'est laquelle? C'est la voie de sortie de minerais via la fratricide et les autres. Vous accusez la famille Kabila, vous accusez Kabila. Il y a aussi un autre rapport. Il y a même certaines ONG des droits de l'homme ont acquis aussi la famille Tshisekedi au Katanga de procéder au même
pratiques, aux mêmes pratiques que la famille Kabila. Mais évidemment, vous n'avez pas, ou les jeunes là n'ont pas totalement tort, mais seulement que ce que la famille Tshisekedi pouvait faire, ce n'est que les miettes. Mais c'est il fallait pas, aussi dénoncer, il fallait aussi dénoncer la famille. Je vais arriver, je commence d'abord par l'origine. La famille Tshisekedi peut faire que les miettes. Mais l'origine, c'est lui qui a fait pendant plus de 20 ans, et il le fait jusqu'à aujourd'hui. Plus de 70 à 80% des richesses congolaises sont entre les mains de Kabila. Je dis bien plus de 70 à 80% sont entre les mains de Kabila. Quand vous regardez les carrières minières, je prends les codes miniers. On nous a mis toute une nation dans les mensonges ici, dans la classe politique. Lorsqu'on a dit au peuple congolais que non, regardez, on a révisé les codes miniers pour l'intérêt de nous les Congolais. Écoutez, l'escroquerie politique et judiciaire qui s'est passée. On a révisé les codes miniers. On sort les avantages qui devaient être attribués à l'Occident. On dit que ces avantages-là reviennent maintenant aux Congolais. Mais qui sont alors les Congolais qui bénéficient de ces avantages? Ces avantages-là, ces pourcentages-là, sont bénéficiés aux Congolais, la famille de Kabila. Comment ça? Kabila et sa famille. Pourquoi? Parce que c'est Kabila et sa famille qui détiennent toutes les carrières minières. Vous comprenez un peu ça? Donc, et ils représentent maintenant les Congolais tout entier. C'est comme ça qu'ils se préoccupent des millions de milliards de l'argent chaque jour. Et ces milliards de l'argent, en dehors de ce qu'il a tué, il nous a tué, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangal et les autres, les massacres de Bundudia Congo, massacres de Kamwena Sapu, mais il nous tue autant chaque jour sur le plan économique. Et donc, Kabila aujourd'hui représente les rois belges qui étaient même en Belgique. Mais c'est lui qui gérait l'économie du Congo qui dépendait de la Belgique. Et donc, même s'il est à Kingakati, mais il gère. Mais s'il faut aller dans ce que vous appelez aujourd'hui la gouvernance ou quoi que ce soit, pourquoi il devait avoir jusqu'à aujourd'hui un gouverneur de la Banque centrale de Kabila? Vous savez, il y a des choses qui sont là. Un ministre des Finances de Kabila. Vous savez pourquoi? C'est parce que tous les circuits économiques sont contrôlés par lui. Et je tiens à vous révéler ceci. C'est par rapport à la taille et ou à la force au niveau du Parlement, du FCC. Évidemment, très bien. D'où vient alors cette taille et cette force ou cette fameuse majorité du Parlement, du FCC? C'est parce que Kabila a détenu l'économie du pays, a détenu toutes les richesses du pays. Il s'est posé maintenant pour nommer les députés et sénateurs. Et en nommant les députés et sénateurs, puisque la malhonnêteté ou l'ignorance de la classe politique n'a pas été honnête pour comprendre que c'est lui qui a l'argent à tout. Il a eu l'argent, il a acheté les députés, il a nommé les députés, il a les sénateurs. C'est comme ça que des députés et sénateurs là sont capables. Mais qui vous dit d'abord dans un pays qu'il ait la majorité ou pas? Qui vous dit que le peuple que nous sommes n'est pas souverain pour qu'on sache que fait le gouverneur de la Banque centrale? C'est la Banque centrale de qui? Est-ce que la Banque centrale de l'FCC? Pour qu'on gère la Banque centrale, il faut qu'on tienne compte du FCC. Pour qu'on connaisse les non-finances. Est-ce que vous savez que je peux vous révéler? Même ceux qui sont à la présidence, ils ne sont que presque les images inutiles. Parce qu'à ceux qui connaissent les finances, à ceux qui concernent les finances aujourd'hui au Congo, ils sont que des images inutiles. Mais évidemment, parce que à ceux qui concernent les finances, la gouvernance de ces pays est entre les mains de Kabila. Parce que c'est le gouverneur de la Banque centrale qui dirige. Et il y a même, je peux vous le révéler, il y a même des conseillers de la présidence qui ont même cherché qu'il y ait des virements de l'argent qui provient de l'étranger pour venir ici. Le gouverneur de la Banque centrale a refusé. Sous l'ordre de qui? Sous l'ordre de Kabila. Le ministre de Finances reçoit que l'ordre de Kabila. Le ministre de Mines reçoit que de l'ordre de Kabila. Maintenant, le plus grand problème, c'est que est-ce que nous sommes un peuple? Nous sommes une nation? Nous voulons exister ou pas? Comment on peut laisser notre existence d'hier, aujourd'hui et demain entre les mains de celui qui nous tire? C'est à cause de ça
que Kabila, parce qu'il se procure autant de milliards de chez nous, il y corrompt la classe politique, il y corrompt vous, les journalistes, il y corrompt les militaires et policiers. C'est comme ça que vous voyez qu'à chaque fois que les mouvements citoyens et d'autres sont dans les manifestations, les policiers et les militaires, certains, ils tirent. Ils sont motivés par qui? Et quel est le moyen qu'ils obtiennent? Le numéro de téléphone, en gars, Isali, plus 243 pour ceux qui sont à l'étranger, 85-67-034-56. 85-67-034-56, comme 81-071-51-051-11. Isali, pour nous, binounios, vous tous, les Congolais, les Congolaises, et les d'autres qui vous êtes partout, les petit message que je peux vous le dire, Dieu a suscité une génération consciente que nous sommes pour la libération totale de ce pays. Et nous devons nous mettre ensemble, unis comme un seul homme. Nous projetons une grande conférence. Et après la conférence, il y a des grandes manifestations que nous allons faire ici à Kinshasa. La conférence, nous projetons pour le 27. Il nous faut les moyens pour la presse. Et nous avons besoin de soutien pour tous. Parce que nous nous battons avec un génocidaire économique. Et il nous faut aussi quelques moyens pour libérer ce Congo de manière totale et parfaite. Merci, prophète Benjamin Kawanga, Nandenge Oyambi, invitation à Bissou. Merci, c'est moi qui vous remercie, mon frère Philippe. Le vrai journal et entretien, vous tous, je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité. Merci. Bandeko Bouti Kolanda, émission à Bissou, entretien. Tous les qui n'ont pas prophète Benjamin Kawanga, mais qui court. Ça, la révélation naïe sur un nouveau sujet, un nouveau concept. Oezali, Oebiomobotikolanda. Merci Nandé Boulandi Bissot, partout à travers le monde, dans YouTube, PeterTiani.rdc, dans le vrai journal.